Bon, salut, salut, c'est Romul et bon tuyau. Alors aujourd'hui, on va te faire une petite vidéo, hein, une petite vidéo, quelques petits conseils, hein. On va venir te donner quelques petits conseils. Par rapport à quoi? Eh ben, tout simplement, tu dois renvoyer ta PlayStation 5 en SAV. Alors, je vais vous donner quelques petits conseils, hein. Ce sont que des conseils de Romul. Après, vous ferez ce que vous voulez. Alors, premier conseil que je vais te donner, hein, c'est que quand tu envoies tout simplement ta console en réparation, tu prends ton téléphone et tu fais plein de photos. Mais plein de photos. La console de devant, la console sur le côté, à droite, à gauche, tu vois. Tu prends ta console sous toutes les coutures. Ça, c'est la première chose que je te donne comme conseil. Pourquoi faire des photos? T'es débile? Non, non, attends, je t'explique, ça va venir plus loin après dans d'autres conseils. Ça, c'est pour jouer la sécurité. Ensuite, quand tu emballes ta console, mets des couches de bulle pack, mais plein, blinde de bulle pack, blinde le carton de mousse, de peu importe de quoi. Et puis pareil, tu fais des photos et des photos, mais fais-en plein, hein. Fais-en un paquet, hein. Alors ensuite, tu envoies ta console en réparation. Alors pourquoi faire toutes ces choses? Bon, alors je te fais un petit retour. Là, j'en suis à 7 personnes qui m'ont fait des retours qu'ils avaient des problèmes avec le SAV de chez Sony. Donc 5 que Sony leur a demandé 270 euros parce que dans le transport, la console a été abîmée. Les plaques sont arrivées cassées ou les fixations des plaques sont pétées. Donc Sony se font fâcher, hein. Si tu veux récupérer ta console, il faut que tu banques 270 euros pour deux coques qui coûtent 20 balles sur AliExpress. Putain, ça fait cher le bout de plastoc. Bon. Alors, pourquoi je te dis de faire des photos et de bien l'emballer? Ben, comme ça, quand ils vont t'envoyer un email en disant votre console est arrivée abîmée, parce que dans la majorité des cas, il y en a plein, il y en a plein qui m'ont fait des retours comme ça. Ben, tu leur envoies les photos. Puis tu leur montres que ta console, elle n'avait pas un jetard. Zéro jetard. C'est-à-dire que ça n'engage pas ta responsabilité à toi, mais celle du transporteur. Donc, ce qui va se passer, c'est que Sony et le livreur vont se rejeter la baballe. Mais ne paye surtout pas les 270 euros que Sony te réclame. Alors je t'invite, après avoir fourni les photos et que Sony va tout simplement se rejeter la baballe entre le livreur et puis Sony, tu fais un truc tout bête. Tu contactes 60 millions de consommateurs et tu commences à leur poser des questions. Qu'est-ce que tu peux faire? Voilà. Et tu envoies un mail à Sony en leur expliquant que tout simplement que tu ne vas pas te laisser moudre et que tu vas engager toutes les procédures que tu pourras à leur encontre. Voilà. Parce que pourquoi tu devrais aller payer 270 euros pour une PlayStation 5 qui a été abîmée dans le transport? Parce que les transporteurs, ce sont des sauvages, ils jettent les consoles, peu importe, hein, ça peut arriver que la console glisse des mains et que le mec il a fait tomber. Hein. La console est éclatée. Les plastiques des coques s'éclate en 5-5. Moi j'en ai une là de case. J'ai acheté à un pote qui l'a acheté déjà quelqu'un d'autre. Le mec a démonté juste le panneau sur le côté. Je sais pas si ton temps, mais ça bagote. Hein. Il y a un clip de cassé. Donc, vos PS1, il faut pas vous amuser non plus à les démonter comme ça à l'arrache tout le temps parce que les ergots dessus, c'est du caca. Ça casse en 5-5. Voilà. Si tu les démontes, il faut faire ça doucement. Mais voilà, moi je vous dis, ne versez pas un dollar, contactez une association de consommateurs tout simplement pour ben, faire valoir vos droits. Moi personnellement, je vais vous donner un exemple. J'ai envoyé ma Xbox Series X en réparation. La console, je l'ai mis dans un carton. La console est arrivée là-bas, elle a été réparée, ils me l'ont renvoyée. Mais je peux vous dire que l'emballage de la Xbox Series X, c'est autre chose, à mon avis, que l'emballage de la PS5. Vous avez qu'à regarder déjà l'emballage d'une PS5 dans une boîte avec des espèces de trucs. On a l'impression que c'est des boîtes d'œufs. La console, elle se balade comme ça là-dedans. Et que quand tu achètes ta Xbox Series X et tu déballes, il y a de la mousse partout. La console, elle est emballée, mais un truc de fou. Alors, l'emballage de la Xbox Series X est plus qualitatif que celle de la PS5. On parle pas des consoles, là on parle des emballages. Les câbles de la PS5 font plus cheap que ceux-là de la Xbox Series X. Moi j'ai les deux consoles, je peux vous le dire. On parle, voilà quoi.
Et j'ai plein de gens. Hein, est-ce que vous trouvez ça normal? Non? Alors, et puis une chose aussi que Concurax a dit dans sa vidéo sur la Xbox Series X, que tu peux payer pour que ça aille plus vite. Non, non. Quand c'est pris en garantie, les frais de port, tu ne payeras rien. 0$. Moi, j'ai envoyé ma console, j'ai payé 0$. La console est arrivée à la maison. Le livreur a sonné à l'interphone, il m'a dit « Je vous monte, j'ai un colis pour vous, c'est UPS. » Le mec, il a laissé la console sur le paillasson, il m'a dit « C'est bon, vous prenez la console, merci, au revoir. » J'ai pris ma console, et puis voilà. Donc, c'était mes petits conseils pour vous, si vous avez des problèmes avec votre PS5 ou votre Xbox Series X. Bon, la Xbox Series X, ça craint beaucoup moins parce que c'est un cube que la PS5. Ben, les plaques se cassent. Sinon, vous faites un truc bateau, vous enlevez les plaques de la console, vous emballez la console, vous rajoutez les plaques par-dessus avec du build pack, et puis vous envoyez la console comme ça. Ça aussi, vous pouvez le faire. Hein. Vous mettez les deux plaques l'une sur l'autre, vous mettez du build pack, et puis vous mettez la console et les plaques par-dessus et du build pack. Et puis ben voilà, puis vous mettez dans votre carton ben, ce que vous pouvez pour pas que ça bouge. Voilà. Emballez-la bien parce que Sony ils aiment bien essayer au maximum à tout simplement. Je vous laisse deviner, hein. Moi je vous fais que des retours de certains abonnés qui m'ont dit ça. Bah vous mettre une banane, voilà. Sur ce, aussi une chose il faut que vous sachiez, c'est que si votre console revient de réparation, vous aurez une console avec un numéro de série différent. Mais ce ne sont pas des consoles neuves, hein. Ce sont des consoles, comment ils disent, recyclées. Voilà, ce sont des consoles qui ne sont pas dans les emballages d'origine, donc ce ne sont pas des consoles neuves. Les consoles n'ont jamais démarré ou quoi que ce soit, mais ce sont des consoles qu'ils appellent recyclées. Voilà. Bon, moi je te laisse là, hein, c'est la vidéo qui t'a servi. N'hésite pas, un petit commentaire, un petit like. Si t'es pas abonné, tu peux t'abonner. Hein. Sur ce, je te laisse et je te souhaite une bonne fin de journée ou une bonne nuit, ça dépendra de l'heure que tu regardes de la vidéo. Allez, ciao !